Voilà. Traoré Moussa transmet les dossiers de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, à Abiba Dembélé. La présentatrice du journal télévisé de 20h sur RTI1 prend ainsi officiellement les rênes de l'Union. Elle en assurera l'intérim jusqu'au prochain congrès ordinaire. Selon le président du conseil d'administration de l'UNJCI, cette passation respecte les thèses de l'Union. La cérémonie de ce matin, ce n'est pas sur la base d'un accord que nous avons passé, mais c'est bien sur la base de la lecture de nos textes. Et il faut que cela soit bien clair. Le président sortant Traoré Moussa traduit son soutien à la nouvelle équipe. Il souhaite voir se réaliser les grands projets déjà entamés. Je suis là ce matin de façon symbolique pour souhaiter bonne chance à ma sœur Abiba Dembélé dans la conduite de l'Union, conformément au programme sur la base duquel les journalistes de Côte d'Ivoire nous ont fait confiance l'année dernière. Abiba Dembélé, installée comme présidente par intérim de l'UNJCI, promet de continuer les œuvres de ses prédécesseurs pour le bien-être des journalistes de Côte d'Ivoire. Le conseil exécutif de l'UNJCI, demeuré en bloc malgré les soubresauts, vous assure de sa volonté de conduire dans la dignité et en toute responsabilité la barque à bon port. La représentante du ministre de la Communication, Yaoubi Zeghela, et les journalistes se réjouissent de cette passation de charge. Pour eux, seulement l'esprit de confraternité doit être privilégié dans le règlement des différents LEC. Je retiens deux paroles fortes au cours de cette cérémonie. La première parole forte, c'est que le linge sale, c'est réglé, c'est lavé en famille. La deuxième parole forte, c'est le respect de la constitution de l'UNJCI. L'image qui a été donnée un tant soit peu à toute la corporation soit redorée. Et c'est à cela que la présidente Abiba doit s'atteler à redonner confiance à tous les opérateurs économiques. Aussitôt installée, la présidente par intérim de l'UNJCI s'est mise au travail. Elle a reçu une ONG américaine. Cette ONG entend apporter son soutien à l'UNJCI à travers la formation des journalistes.